C'est remoi. J'ai calé le portable sur la bouteille de citronnade, sur la table qui est bancale. Là, je pense que même si je souffle assez fort, tout s'en va par là. Bon, je suis allé récupérer l'étui qui avait glissé, pareil, qui avait pris la tangente. Donc maintenant, j'ai mes deux mimines de disponibles. Pouvoir revenir. Ouais. Hop, donc là je reviens, c'est sur les étuis en fait. Voilà, celui-ci vraiment, il est léger, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient super bien. Je sais pas si le côté thermomoulé ici tiendra très très longtemps à l'usage. Bon, en même temps, je pense que vous l'aurez compris. Là, je me suis fait un peu plaisir. C'est pas des trucs que je vais utiliser régulièrement. Hop. Ouais, le système de rétention de la lame est plutôt, c'est plutôt efficace. C'est plutôt efficace. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon. J'ai du morceau de carton là, mais je vais pas vous montrer qu'un couteau ça coupe. Hein, on s'en doute bien. C'est pas fait pour tartiner du beurre. Enfin, en tout cas, pas celui-là. Quoique ça pourrait. Bon. Donc, bon. Ouais, si, si. Hein, ça... Il y a un tranchant qui est très, très, très fin. Et à mon avis. Les rondelles de saucisson, ça va y aller, mais alors, tranquille quoi. Donc voilà, petit cold steel, celui-là, il est bien sympa. Je l'essaierai probablement sur les oignons dans la soirée. Je voulais revenir sur celui-ci parce que. Donc de MTech. Je sais pas s'il a un nom d'ailleurs. En fait, je l'ai regardé d'un peu plus près. La finition est plutôt sympa. J'aime bien le choix des couleurs. Le micarta, un peu kaki. La lame qui est pas peinte avec un truc dégueulasse par-dessus. Moi, ça me dérange pas que ça brille. L'épaisseur 4 mm. Hein, j'ai profité d'avoir mes deux mains libres pour regarder ça. 4 mm, c'est pas mal. Hein. Puis, bon, 120 grammes, c'est pas super lourd. C'est à peu près. Je crois que le 6K 130, je crois que c'est. Je me rappelle plus si c'est 145. Il pourrait servir à bricoler un peu des bouts de bois. Bon, probablement pas l'usage. Désolé, j'ai des restes de hier soir. Enfin, de cette nuit d'ailleurs, on a fini à 3 h du matin. Feu de camp, tranquille, tu vois. La vie à la campagne, la vraie. Bon, voilà. Mais sinon, oui, bon, bref. J'ai tendance à râler, tout ça, je suis pas content, blablabla. J'aime pas, ben. Mais en fait, il est plutôt joli, il est bien fini. Les vis affleurent légèrement, mais c'est pas désagréable. On sait qu'il y en a. Le micarta, c'est pas désagréable non plus au toucher, ce petit côté, ce grain un peu bah, grain quoi, granuleux quoi. Donc, prise en main correcte. Ouais, l'anneau j'aime bien. Hein, c'est enfin un keramique que je vais pouvoir manipuler sans mettre des gants de combat. Il est joli, il est joli. Je pense que ouais, il est joli. Un couteau 45 balles, je trouve que c'est plutôt propre. Ah, j'aime bien aussi ça. Tiens, j'avais pas fait gaffe. La forme de la pointe. La forme de la pointe. Je sais pas si vous allez bien voir parce que mon appareil est pas super bon pour les mises au point, mais c'est une pointe plutôt jolie pointe. Hein. J'aime bien la forme. J'aime bien la forme.
Ouais, un design sympa. Ça pique. Probablement même ça coupe. C'est donc un couteau. Voilà. Celui-là est sympa. Je pense que pour jardiner, ici, je veux dire, hein, ça m'arrive, hein, pour nettoyer mes buttes, tout ça. C'est le genre de couteau que je pourrais avoir sur moi pour faire de la cueillette, hein, la mélisse par exemple. Quand je rentre le matin, j'aime bien manger de la mélisse crue pour m'aider à m'endormir. S'endormir à 8 h du matin quand il fait plein soleil, c'est pas simple. C'est un couteau de jardinage un peu. Mais quand même, les orties et les ronces n'ont plus qu'à bien se tenir. Bon, ben voilà, j'arrête là. Oui. Le seul reproche, c'est l'étui. Alors, il a un côté un peu évasé comme ça, pour qu'on puisse trouver facilement. Ça donne un peu un. Alors, c'est peut-être aussi cette forme de lame. Un côté un peu. Comment? Sur certains étuis d'armes anciennes militaires, sabres ou dagues, il y avait aussi parfois ce genre de fourreau évasé pour que l'on puisse trouver facilement sans même regarder arranger la lame sans se blesser. Bon. Ouais, bon, j'aime pas le côté branlant. Mais c'est peut-être pas si mal si c'est un couteau qui sert régulièrement. Enfin, par exemple, si vraiment je jardine avec, bah, je ne vais pas cesser de le ranger, de le sortir, de le ranger, de le sortir. Voilà. Donc, oui. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon, bah, je vais l'essayer. Voilà, parce que j'ai du nettoyage à faire sur mes buts. Bon, là, en plein cagnard, c'est mort. Là, j'attends qu'une chose, c'est l'heure d'aller me mettre dans le lac pour me rafraîchir. Le jardinage, on attendra. Mais peut-être que c'est pas si mal. Peut-être que c'est pas si mal ce type d'étui. Bon, à voir à l'usage. Ciao, ciao.